Comme vous le savez, le gouvernement du Burundi a lancé un appel aux investisseurs privés dans le cadre de la stratégie nationale de coton, textile, habillement à travers le partenariat public-privé pour redynamiser ce secteur même. Nous avons un double intérêt car, comme vous le savez, Afritextile produit des tissus dérivés du coton. Alors, nous avons répondu favorablement à cet appel-là, car pour l'instant, le coton qui est produit au sein de la Compagnie nationale de coton ne nous suffit pas. Il est en deçà de nos besoins. Nos besoins sont estimés actuellement à 3000 tonnes, mais la compagnie national pour des raisons principalement dues aux aléas climatiques ne parvient pas à atteindre cette production. Et nous avons comme ambition de porter la production à plus de 5000 tonnes par an, ce qui nous permettrait non seulement de satisfaire nos besoins et pourquoi pas pour le gouvernement du Burundi et nous-mêmes de pouvoir exporter ce surplus de production. Nous avons comme ambition d'investir d'abord en moyens matériels et en moyens humains aussi, parce que nous voulons non seulement augmenter la production, mais aussi augmenter la qualité.